parcours compliqué. Mais en fait, c'est le choix, les choix de navigation qui étaient compliqués. Voilà. Donc, à un moment, il fallait aller beaucoup à terre, chose qu'on a fait. Mais vers la fin, lorsqu'il fallait vraiment sortir, on est resté trop à terre. Voilà. Donc, une formation, M. Boukoulak, tout ça, ils sont partis sur nous. Voilà. Donc, mais est-ce que, par exemple, pour la forme. L'équipage pour la formation, pour former, pour composer la composition de l'équipage. De l'équipage. Comment ça, est-ce que vous avez peut-être déçu au départ ou pas? Non, pas du tout. On a bien composé l'équipage aujourd'hui. Mais c'est juste que voilà, le problème ça a été au niveau des choix, c'est tout. Au niveau des choix. Mais pas au niveau des choix des coursiers. Ouais. Ah d'accord. Voilà. Peut-être choix de voile, peut-être des choses. Non, même pas, c'était la bonne voile aussi. Ok. Oui. Bon, ouais, ouais. Ok. Alors donc pour l'étape de demain, comment ça se passe? Alors pour demain, il va falloir gérer. L'essentiel c'est d'arriver à Théa sans avare. Ce sera la seule directive de demain. Arriver à Théo sans avoir. Et en plus, c'est le dernier jour. Donc quand même, vous devez se rapprocher de la ligne d'arrivée. Voilà, exactement. Exactement. Parce que demain, ça va être long. Si on a un temps comme aujourd'hui là, ça va prendre beaucoup de temps demain. Ouais. Voilà. Bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous souhaiter que de bonnes choses. Bon, au niveau de la récupération, vous arrivez à récupérer assez après le massage? Oui, oui, on a ce qu'il faut. On a 6 kinés qui nous attendent déjà à l'école de Ducos, donc on a ce qu'il faut. Parce que nous sommes à peu près 38 coursiers et il fallait des kinés pour pouvoir nous permettre de récupérer assez rapidement. D'accord. Voilà. D'accord, d'accord. Ben, Adi FM Martinique, vous souhaite toute l'équipe une bonne récupération et puis un bon travail pour demain matin. On se donne rendez-vous au François. Ok, merci beaucoup. À plus tard. Au revoir.